Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une distribution qui pourrait être en quelque sorte le descendant spirituel, enfin la descendante spirituelle de la PyrOS. J'ai nommé la PinguiOS. C'est en gros une Ubuntu avec Gnome dessus, un paquet impressionnant d'extensions, mais je vous laisse la surprise. À vous toute chose, avant qu'on dise que c'est un problème lié, les lenteurs sont liés à la machine virtuelle, je vous prouve bien que l'accélération 3D est activée et je précise que les extensions VirtualBox qui permettent de donner un petit peu de vitesse d'affichage sont installées aussi. Donc, comme d'habitude, vous trouverez tout le descriptif et l'article en question relié à cette vidéo dans le descriptif en dessous de la vidéo. Vous verrez que c'est quand même assez tordant. Donc, on va démarrer le bousin. Déjà, c'est une Ubuntu et on se retrouve avec l'écran de démarrage de Gnome, de Debian, autant pour moi. Étrange. Et voilà, déjà l'hommage à PyrOS. Si vous connaissez macOS, vous comprendrez ce que je veux dire. En clair, c'est un démarrage à la macOS. Enfin, à l'époque où j'utilisais macOS, à l'époque de Tiger, donc du 10.4, ça ressemblait à peu près à ça l'écran de démarrage. Sauf que c'était une pomme et non pas une espèce de virgule qui fait penser à un lézard qui serait un peu décomposé. Bon, là nous arrivons au chargement de GDM. Enfin, s'il veut bien se charger. Voilà. Donc là, on remarque que c'est en franglais. J'ai essayé quand même pas mal de traduire l'ensemble, mais je me suis cassé les dents dessus. Apparemment, c'est un Gnome 3.10 qui est en dessous, normal parce que ça se base sur la Ubuntu 14.04 LTS qui elle-même est basée, se propose un Gnome 3.10 comme outil de base. Alors on va compter le nombre de secondes qui s'écoulent entre la fin de la musique et le temps que l'ensemble soit utilisable. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 secondes. Le temps que tout l'ensemble se charge, je veux bien que les machines virtuelles ralentissent l'affichage, mais on peut déjà noter la présence d'un conquis. On voit que les 2 Go de mémoire vive sont mangés à hauteur d'un tiers. Ce qui est pas si mal que ça. On note la présence de Gnome Do qui bouffe 50 mégas de mémoire vive. Bravo. Doki qui en bouffe 64. Doki, c'est ça. Le Gnome Shell qui en bouffe 188. Bon, je veux bien que le Gnome Shell soit lourd. Mais vous allez comprendre pourquoi il mange 188 mégas de mémoire vive. Quand on lance le menu, le Gnome Menu, qui a la chance d'être en franglais à peu près supportable, si on va dans. On va lancer Gnome Tweak Tool, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi c'est une lenteur gargantuelle. Enfin, une lenteur digne d'une tortue rhumatisante à trois pattes. Voilà, donc là, bon. Voilà la liste d'extensions qui sont installées. Celles qui sont activées étant en bleu. Alors, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, on va dire une bonne douzaine. Donc imaginez déjà ce ne soit pas bouffé comme mémoire vive. J'ose même pas imaginer. Donc là, on se retrouve avec un dock à la macOS avec les icônes Find Ça. Donc si vous êtes, fatigué de voir Find Ça, désolé pour vous, vous devriez supporter. Donc là, bon, ben, c'est classique, quoi. Ah, le Gnome Do, il se trouve pas ici. Non, voilà. Alors, je me demande à quoi ça sert d'avoir en doublon le Gnome Do. Alors qu'on pourrait très bien utiliser Docker pour, enfin Doki, pour utiliser ça. Il y a pas mal de logiciels en mono. Vous savez, l'implémentation libre de la technologie .NET de Microsoft, qui est connue pour sa légèreté. Donc, dans les applications, on retrouve Doki. En Gnome Do, enfin en mono, Gnome Do qui est en mono,
Variety qui permet de changer les fonds d'écran, c'est très utile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil? Voyons. Google to Ubuntu, je ne sais pas à quoi ça sert. Plex Media Manager, ça doit être sûrement un truc pour voir les vidéos, je pense. Un truc comme à la XBMC. Donc déjà, WXBanker, je ne connais pas. Je vous le lance en même temps, donc je ne sais pas quel est. S'il veut bien se lancer, bien sûr. Je suppose que c'est un logiciel encore en mono. Un logiciel apparemment qui n'est plus développé depuis 2010. Bon. Dans les logiciels, on a aussi. Eh zut, c'est pratique. Mais. Ah! Et dans les graphismes, on trouve Pinta, du mono. Le site internet, Déluge qui est en Python, donc ça peut aller. TeamViewer, c'est pratique, c'est pratique sans lettres. Steam, faut bien quand même pouvoir jouer. Et Skype, donc automatiquement, étant donné que c'est une 30-64 bits, donc c'est du multilib. Pour justement, PlayOnLinux, qui est en mono, je ne sais plus quoi. Outil système, il y a de quoi dedans? BleachBit. Ah! Oh là 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 là! Non mais regardez-moi ce bazar! Ah tiens, je vais voir combien il y a de PPA qui sont rajoutés. Je sens que ça va pas être triste. Et je crois me souvenir que YPPA a été développé par PyroS à l'époque. Donc on va voir le nombre de PPA qui sont rajoutés. Oui, je sais, qu'on travaillait. Mais c'est pas de raison. Allez. Oh, je t'ai dit que je vois. Pardon, je viens d'étouffer. Regardez-moi cette liste de PPA. Ce n'est pas possible. Il y en a une bonne vingtaine. Je m'étonne que ce soit lent. Et apparemment, c'est Mnemo qui est utilisé et non pas Nautilus. D'accord. Donc on va sortir ça tout de suite. Oh, Grumpy Cat. Mon ami, notre ami Grumpy Cat. Là, pour l'instant, il y a de quoi avoir la haine. Donc, dans les applications, on va voir. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver. Twictool. Bureautique. Donc, mais sur ce LibreOffice, c'est le dernier en date. Alors, où est-ce que je vais pouvoir trouver. Voilà, alors, fichier. Est-ce que c'est Nemo ou est-ce que c'est Nautilus? C'est Nemo. Apparemment. Oui, ça ressemble à Nemo. Je reconnais la configuration générale. Si au moins on pouvait avoir la confirmation. Voilà. C'est Nemo. En clair, je sens un fichier de Cinnamon. Oh là là. Alors voilà, Firefox. J'ai demandé ce qu'ils sont en français avant d'installer, avant de m'en faire la vidéo. Donc on va voir si ça lance. Non, j'ai pas dû cliquer suffisamment fort. Ah si, on n'a même pas d'indicateur qui se lance. Donc côté extension, qu'est-ce qu'il en est? C'est pas possible qu'il soit aussi lent. Non, là, je vous jure que je n'ai rien d'autre en fond. Il n'y a que Kazam qui enregistre. Donc bien sûr, c'est Firefox 29. On s'en aperçoit tout de suite avec la présentation. Donc dans les modules d'extension, qu'est-ce qu'il y a? Désolé là, mais quand je vois cette liste, il y en a trois qui sont désactivés. Non mais attendez, mais c'est quoi ce foutage de tronche? C'est horriblement gavé. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ultra gavé.
Normalement, l'installation demande 8 gigas de poussière. Donc, on va voir combien. On va voir la taille prise. Tiens, c'est quoi ce bug? On va voir la taille prise. Il y a 6,9 gigas de consommé. Donc, on va voir avec BleachBit si on peut gagner un tout petit peu de place. Comme BleachBit est installé, on va voir si on peut gagner un petit peu de place. Ne serait-ce qu'en vidant les caches et compagnie. Ah, vous allez vous habituer à voir la bulle de la mort. Hein. Enfin, la bille de la mort, là. La roue de la mort, qui est typique de macOS. 70 mégas. Ouais. D'accord, 70 mégas sur plus de 6 gigas. Il n'y a pas grand-chose à récupérer. Hein. Donc, là, je disais, il y a Clémentine, il y a VLC, il y a Panasonic Synaptique, donc tout classique. Mais c'est vraiment ultra lourd, hein, parce que là. Non mais regardez-moi cette liste. Non, c'est pas possible qu'il y en ait autant. Donc, je vais quand même vous lancer montrer LibreOffice. Allez, vas-y, envoie-moi la boule d'attente. Allez, vas-y. T'es gentil. Voilà. Donc là, c'est un LibreOffice 4.2, je crois. Donc c'est bon, un 4.2.3, c'est encore assez récent. Non mais c'est horriblement lourd, quoi. Y a pas autre mot. C'est quoi ça? C'est pour l'éclairage, je suppose. Non, ça c'est pour je ne sais pas quoi. Ah, c'est Gnome Doux. Donc là, on va le quitter. Ah oui, pour le Conqueror, Conky. À côté. Parce que c'est vrai que ça mange très peu de mémoire vive, le Conky. Je ne sais pas, mais voilà pour gérer le Conky. C'est en anglais, donc c'est agréable. On va mettre celui-là, tiens. On va ce qu'il va me faire. Ouais. C'est pas beaucoup mieux. Donc là, on va relancer l'outil conquis. Ce qui est agréable, vous m'en remarquez que c'est en français. Si vous savez comment le mettre en français, je suis preneur. Là, il est au milieu de l'écran. Très pratique. Apparemment, donc vous voyez, c'est très pratique, c'est très bien conçu. Donc, on va mettre Default ConkySim. Voilà. Donc, là, on va le fermer. Vous voyez, c'est agréable, ça change tout le temps. J'avoue que je me demande si certaines personnes ont vraiment réfléchi, quoi. Parce que c'est horrible. Moi, c'est. Regardez-moi ça. Il y a de tout. Mais il y a vraiment de tout. Il y a tout et n'importe quoi. On va voir. Les paquets orphelins. On va voir combien il y en a. Aucun. Bref. Non, mais là, je pense que il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Parce que je vous prends quand même. Non, mais c'est incroyable le nombre de extension qui est là-dessus, quoi. C'est pas possible. À quoi ça sert Google to Ubuntu? À quoi ça sert? Ah, apparemment on peut enregistrer. Mais je sais pas à quoi ça sert. D'accord, ça fonctionne pas. Non, d'accord, là on va arrêter le massacre. Donc vous voyez que là, bon, là mais je n'en peux plus du tout. Là c'est vraiment. Mais c'est horriblement lourd. C'est une lenteur qui est effroyable. Je veux bien que les machines virtuelles se ralentissent, mais à ce point. Non, là, il n'y a rien à dire, si ce n'est, si vous voulez vous arracher les cheveux, foncez sur la Pigouille OS. Vous n'aurez plus de chevelure très rapidement. Allez, au revoir.